Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur GeoGuessr. On va voir tout simplement si je m'y connais bien ou pas en culture mondiale. Sachant que j'ai fait deux voyages dans ma vie, un en Écosse, un en Autriche, Vienne et Édimbourg. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc je vais vous filmer le téléphone en même temps. Alors, faut débat. Oh, on peut bouger la planète. J'ai appris qu'on pouvait bouger une planète. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu. On reprend, vous voyez dans 3, 2, 1. Maintenant. Regarde, ça c'est ce que je vous disais. On peut tourner la planète. C'est bien, dans tous les sens. Hein. Allez, classique. Classique mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait World, France, Place, France? Je pense qu'on va faire Europe. Allez, on va faire Europe. Ça me tente. Loading, location. Déjà, on sait que parce qu'on est en Europe, on peut esquiver les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. En fait, l'Amérique en général. Alors, où on est? Alors déjà, on n'est pas en France. Ça, c'est sûr. Mais si on regarde les plaques. Non, c'est les plaques européennes. Ça va pas vraiment m'aider. Vu la toiture, moi, je dirais que c'est plus un pays... Je vais m'approcher plus. Voilà. Je dirais plus que c'est un pays d'Europe, mais est, enfin est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est dans l'Europe ici? Peut-être le Danemark. Ouais. Moi, j'aurais bien le Danemark, genre là. Là, c'est en Belgique. En Belgique. Partie suivante. Il me cherche une localisation. Je vous déplace un peu. Voilà, c'est mieux. Donc là on est nord-ouest. Là on est sud-ouest. Là on est sud. Sud-est. Sud, c'est par là. Ah. C'est écrit Béram Passa Davout Passa Métro Autogare 4 mètres. Il n'y a pas de panneau là. Et eux, ils disent pas quelque chose. Un drapeau rouge. Donc, si c'est un drapeau rouge, c'est peut-être un pays du sud, l'Ukraine, enfin pas l'Ukraine, mais un pays communiste quoi. Un pays allemand, peut-être la Tchéquie. Oh, ça, c'était où? Ah, c'est la Turquie. On est à Istanbul. C'est pas bon. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, c'est un pays pauvre, ça on peut le savoir de suite. Et pour un pays pauvre, j'aurais tendance à dire la Roumanie. Parce que la Roumanie, c'est pauvre. Alors la Roumanie, c'est là. Pas Bucarest, c'est trop connu ça. Et genre là. Ok, c'était au Portugal, je dis pour rien. Ok. Excusez-moi les Portugais. Les Portugais.
Swan's Ball. Ah, les forêts comme ça me fait penser soit à l'Allemagne, soit à la Pologne. Mais encore, je dirais plus peut-être la Pologne. À 2022, Google. Et on va mettre la Pologne. Y a pas des coins de forêt en Pologne? Normalement, oui, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais... Allez, là. Attends. Ah, une île. D'accord, de la forêt en plein océan. Et c'est l'île de quoi ça? Golfe de Botnie. Je vois pas ce que c'est. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a plein de montagnes. La montagne est haute et la montagne elle est longue. Alors, pardon. Un avion sur du gazon. On dirait Louis Vuitton le signe. Il y a fait quoi là? 2000 janvier 2015. J'aurais tendance à dire genre le Monténégro. Petit bug avec la carte. Non, pas en Pologne. Monténégro, c'est vers là normalement. Ah non. Non, non, c'est une contre, c'est plus vers là. On va mettre là. Je pense que c'est le seul endroit où on était le moins long. J'arrive pas à voir ce que c'est. Bon. On a fait un beau résultat. Je vous propose d'en relancer une de suite pour voir si on fait mieux. J'ai déjà ok. En pleine grande île. Loading. Location. En fait, à part être lâché en forêt. Oula. Ritajna Katu. Là, il écrit quoi? Paris Kankatu. Qu'est-ce qui finit toujours par OI? Genre OY. Stala, OI. Il y a un train qui doit passer. Ouais, peut-être la... soit l'Hongrie, soit la Serbie. Alors, on va mettre Serbie, genre là. Paumé. Ah, c'est en Finlande. Ah, c'est pour ça que je comprends rien, alors. Alors, là. Encore dans la forêt, hein, comme d'hab. Rapport 3 flèches et un virage, pas grand chose. Là, il y a un chemin. Il écrit quoi? Est-ce que ce serait pas en France? J'arrive pas à voir où c'est. On va mettre la France. Alors France frontière avec l'Allemagne. Vers Metz. Là. C'était encore au Portugal. Je suis une burne. Ah. Là on a un drapeau. Mais sauf que je ne connais pas ce drapeau. Palombo.
Interdit. Bizarre parce que. Pas où là? Ça ressemble au Portugal. Et là, vous voyez, je vais mettre Espagne ou Portugal, ils vont me dire Finlande. Et là. D'accord, c'était. Ah, c'était à Malte. La Calva, c'est l'approchant. Ici, là. Ça fait peur. Ah, cabine téléphonique. Ils ont pas mis Londres quand même parce que, enfin, pas Londres mais l'Angleterre. C'est plus dans l'Europe, ça. À mon avis, c'est écrit en anglais. Voilà. St. John's. Enfin. De toute façon, il n'y a pas 50 millions de pays anglo-saxons. Il y a soit l'Angleterre, soit le Pays de Galles, soit l'Irlande, l'Islande, je crois. Enfin, c'est anglais. Ou alors l'Écosse. Je sais pas si je l'ai dit. Non, je crois pas. Allez, au pif, je vais mettre Pays de Galles, où j'ai jamais été et où ça me dit pas grand-chose. Île de Man, d'accord. Allez, je peux aller me faire où t'es papa où t'es papa Ok. Teufen. Bon, on n'est pas en France. Walkie Tekliki Toxic Park Arnolens Kuchni. Ah, les numéros de téléphone, ça peut aider aussi. C'est dans une connerie, l'Empire russe ou allemand. Biélorussie, allez. Ah, c'était la Pologne. J'étais pas loin là, cette fois. Et j'ai fait plus que la première fois, il me semble, en termes de niveau. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais arrêter le téléphone ici. Voilà. Et nous, on se reprend pour une petite outro finale. J'espère que cette partie vous aura plu. Vous avez vu mon niveau, donc très moyen, hein, honnêtement. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. J'essaierai d'en refaire une avec Laurie, peut-être pas Laurie, mais avec ses frères. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!